Je ne sais pas vous, mais moi, je suis vraiment pas serein. Ah ! Ah bah ça va, c'est passé. Bon, à peu près. Salut à tous, c'est Galax, et bienvenue pour la suite de l'aventure sur La Légende, GTA Vice City. J'espère que vous allez bien. Oui, c'est également une légende. Quel jeu incroyable. Aujourd'hui, on continue bien sûr l'émission principale, l'histoire principale du jeu. On va répondre... Enfin, quoique principale, oui et non, parce que là, je ne suis pas certain que l'émission téléphone, ce soit principale. Bon, enfin, on le fait quand même parce que c'est cool. La cabine qui vibre, j'adore. Autocide. The European gang plans to hit a bank in Vice City. My employees would rather this didn't happen. Each member of the gang has a color why they are here in Vice City. Some have menial jobs, others are on vacation. Each target and their likely whereabouts are taped under the phone. Ok, on aura donc plusieurs cibles. Mike Griffin travaille sur un panneau publicitaire à Washington. Des armes ont été laissées à ta disposition, j'ai pas eu le temps de finir de lire, je déteste ça. Donc, c'est un parking, logiquement, on doit avoir des voitures. Bah, on a une voiture. J'avoue, c'est pas terrible, hein. Je prends celle-là. Ah, mais il y a un chrono ! 8:45. Ok, je me grouille. J'avais pas fait gaffe. Et tout de suite, je suis poursuivi par la police. Allez, dégage. Oh, une PCG ! Génial. Les armes, on les récupère ici, je vois le petit carré bleu. Un snipeuse. On adore ça. Ah ! Calme-toi. C'est esquive que je t'ai tapé, mon pote. Laisse tomber. Par contre, je me dépêche, parce que je suis déjà poursuivi. De toute façon, on va kill, hein, donc forcément, on va sûrement nous repérer. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Un panneau, hein. Ah, il est là, nickel. J'ai. Je m'en souvenais un petit peu de ça. J'avais dû le faire à l'époque, je pense. Coucou! T'es mort. Allez, je me dépêche. Dick Tanner travaille pour DPB Security sur Ocean Drive. On y va tout de suite. Il me reste encore 8 minutes, ça va. Alors, je sais pas si la mission est vraiment longue, parce que bon, il te met un chrono de 8 minutes, mais est-ce qu'on aura besoin de tout ce temps-là? On verra. On va peut-être passer par la petite ruelle, là. Ouais, on va cutter. Mode freestyle. Ah là, par contre, c'est vrai que c'est un avantage d'être en moto, hein, pour passer là-dedans. Avec une voiture, ça aurait été plus light. Alors, attends. Ouais, je fais gaffe, parce que si on file un snipe, parce qu'il faut être un peu discret... alors, je crois que je le vois, mais autre stratégie intéressante. Ah! Calmez-vous, monsieur! Attendez, je tue la cible et je reviens vers vous, ok? Je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est mort, il me semble. Je croise les doigts. Yes, c'est bon. Et la scooteuse, là. Marcus Amand et Franco Carter sont près de la bijouterie de Vice Point. Mais je suis l'ennemi des scooters. C'est énorme. Ah, ils sont deux, par contre, les prochains. Ok, ils sont deux. Ouattata, je passe entre les deux. Eh, t'as vu ce pilote de l'extrême? Incroyable. Allez, on va se faire tirer. Oh punaise. Oh punaise. On va se faire tirer les deux suivants qui sont ensemble. Faut être discret, hein. C'est vraiment une mission où faut avec un... On est avec un snipe, c'est pas pour rien. Vraiment, tout a un sens dans ce jeu, quoique. Ça dépend. Non, les policiers, par contre, ils ont un petit peu aucun sens. Parce que c'est vrai que tu tapes leur voiture un tout petit peu. Ils s'excitent comme je sais pas quoi. Ok, attends, je vais tuer le pilote en premier. C'est bon. C'est propre, ça. Méga propre. Alors que quand tu leur rentres dedans, mais laisse tomber, quoi. Mais ils sont morts. Il est mort maintenant. C'est quoi ce délire? Oh, ce bug. Il a mis 3 ans. Mais sauf que la balle, je l'ai envoyée il y a un moment, quoi. Ok. Ah, c'est chelou. En tout cas, ouais, tu les touches un tout petit peu. Ils se vénèrent, les flics. On l'a vu, hein, dans une mission, dans le dernier épisode. Et gros carton, ils s'en battent les reins. C'est trop bizarre. Ça n'a effectivement aucun sens. Ça passe. Tant que ça passe, il n'y a pas de soucis. Attention. Stylé, mon gars. Stylé. Alors, ensuite... Ensuite... Ah d'accord, sur le bateau. Sur le bateau, clac, on se montre pas si possible, et... Le headshot! J'ai loupé ou c'est moi? Je l'avais loupé, je crois. Charlie Dixon est à moto à Washington. Ok. Très très bien, bon, à moto ça va être facile du coup, mais alors attends, pour assurer, vu que lui il est à moto, je prends une voiture. Hein. Merde, je suis toujours poursuivi. Mais une étoile ça va, il me tire pas dessus je crois. Non, ne m'arrêtez pas, monsieur! Je prends une voiture parce que les motos, on les renverse, quoi. Tu vois un peu le concept? Tu vois un peu le projet? Parce que c'est notre projet! Donc, allez. Je suis complètement taré. Oula. Ouais, moi, je casse tout, hein. Je suis comme ça. On est dans GTA, là, on n'est pas dans Euro Truck Simulator, faut pas déconner. Le code de la route, on s'en bat les steaks.
C'est fait pour se défouler, hein. Il m'a repéré. Eh bien, tant mieux! Allez, qu'il approche. Je vais le défoncer. Ah, mon pote, t'es en deux roues, hein. Ça va pas faire long feu, tout ça. Je te le dis, hein. Surtout là que je suis bien réveillé. T'es mal barré. Donc ouais, effectivement, ces derniers jours, il y a eu un peu moins de vidéos, les amis, vous l'avez vu, hein. Tout simplement parce que... La vache. Il est ouf, lui. Tout simplement parce que j'avais des petites choses à faire. Que ce soit réglage audio, que ce soit... au niveau du studio, au niveau des, de la mise en place de la... Oh, je défonce. Il est pas mort. Il a survécu. Pas pour longtemps. Mais il a réussi à remonter. Il va se foutre en l'air. Mais qu'est-ce qu'il est con. Attends, je vais m'assurer qu'il y passe. Hein. Allez, voilà, c'est bon. 4 000 $. Ah, ça fait du bien de se défouler, mon Dieu. Donc ouais, voilà, un petit peu de... J'allais dire de retard, non pas vraiment, parce que je suis pas obligé de faire 50 vidéos par jour. Hein. De toute façon, tant qu'elles arrivent, ça va. Mais disons que je dispatche un peu plus cette semaine, parce que j'avais des trucs à faire. J'ai eu un problème également avec YouTube, un problème fiscal, pour tout vous dire. Parce que oui, apparemment, j'ai mal rempli un formulaire, je vous dis tout. Hein. J'ai mal rempli un formulaire de Google AdSense, le fameux formulaire qui avait été envoyé en mars dernier, je crois. Moi, je pensais l'avoir super bien rempli et tout, sauf qu'en fait... Enfin, je l'ai bien rempli, c'est ça le pire. Mais sur le compte Google, j'avais pas mis mon nom prénom, si vous voulez. Et donc, YouTube a considéré que j'étais américain. Et donc, c'est un truc de ouf. Et donc, je paye 30% d'impôts aux États-Unis. Voilà. Et donc, j'ai 30% de salaire en moins sur le mois de novembre et de décembre. Autant vous dire, ma frustration est énorme. Mais, en théorie, on ne peut pas payer. Je dis bien en théorie, après... Peut-être que des fiscalistes, des comptables vont en parler. On ne peut pas payer deux fois les impôts, Amérique et France, normalement. Mais de toute façon, on va voir avec YouTube pour corriger le problème. Get to the payphone at the airport terminal. Ok. Ah, il y a une nouvelle mission téléphone du coup qui a été débloquée. 2 000 $, bien, ça rapporte, hein. Ça rapporte, ça rapporte. De retour chez Tommy, donc. Je dirais plutôt chez Tony Montana. Pourquoi ils me mettent la mission... Ah, mais il n'y a pas de mission, en fait, ça se trouve. Non, mais ça se trouve, il n'y a pas du tout de mission, en vrai. Ou alors, c'est en dessous. Je vais quand même aller voir en dessous. Hein. On sait jamais. Ah, regardez, il y a un gilet ici. Cool. Si on a besoin de munitions, on vient par là. Ah, par contre, regardez. Je vais aller sur le toit. Et regardez, on a un hélico. Yeah. C'est trop bien, ça. Ah, attention, la radio, par contre, t'es bien gentil, mais... ouais, donc par contre, la mission, je l'ai pas trouvée, hein. C'est un peu étrange. Il y a le petit logo devant, mais je vois pas de mission. Bon, bah écoutez, on va aller faire autre chose, hein. J'ai pris l'hélicoptère. Oula. Par contre, il se dirige un peu... Non, ça va, c'est juste qu'il est très sensible, en fait. Eh bien, écoutez, on va retourner soit vers les Cubains ou voir le... Le petit bonhomme rouge. Allez, je vais aller voir le petit bonhomme rouge. Je suis curieux depuis le dernier épisode. On va se poser, hein. Sans se cracher si possible. Tranquillement. Attention aux hélices. Et on se pose. Ah, c'est génial en vrai. Pour se déplacer, c'est au top. Alors, que se passe-t-il avec ce petit bonhomme rouge? Juju. Wow. Wow. Come in, my dear, and rest your soul. You must be the big bad man my granddaddy been chatting about. Tell me things about you, you know, when he visits, and about the others who wait for you. Now, we all dead from long time, but you, I wouldn't want to be in your shoes. I got a message to come here. Can you hear them? Them calling your name, boy, must want you pretty bad, don't you think? Now, you do old Auntie Pulea Turner. Maybe she help you. Maybe she can give you a little juju after all of this. Give you some magic to give the lawman the stink eye. Mm? Look, this is all very, give me what? Shh. I think I got the wrong address. Give me these things, Tommy. The nasty, proud foo-foos. Been making my boys shake their heads. Now they told the policeman where me been stashing my powders. They think it drugs. Them stupid. Now be a good boy, Tommy, and go and get the powders for Auntie Poulet.
Yeah, sure. Tata Poulet. Les policiers se rapprochent des poudres, va les récupérer avant eux. Ok, je prends la bagnole. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a pu récupérer à la maison, dans le manoir, un petit bouclier. Du coup, je me sens rassuré. Allez, je me sens bien protégé. Par où on passe? Gauche-droite. Bon allez, je vais essayer par là. Peut-être qu'on peut contourner. Ok, j'ai monté par là. C'est quoi ce bruit? C'est la voiture? Je crois bien. J'ai entendu là. Oui, oui. Ok, forcément. Ça pouvait pas bien se passer, hein. Je me tiens. Je reprends la bagnole. J'ai perdu un peu de bouclier en tombant. Pas cool, ça. Même pas... Ah mais oui, parce que c'est un lowrider, ok, c'est sur son hydraulique, je comprends mieux. Oui, oui. Énorme. Allez, par contre, ça m'a crevé un pneu, hein. Allez, deuxième valise. À peine je sors, regarde. Et je re-rentre. Allez, salut. Meilleur strat, ça. Par contre, il faudrait que je change de bagnole. Ce sera bien. Il y avait une étoile, j'aurais pu la prendre. Ça vaut presque le coup de la prendre, je pense. Cette foutue étoile. Je me suis craqué, parce que là, les flics, ils sont vénères à 3, hein. À 3 de recherche. Pour l'instant, ça va. Tant que je m'arrête pas, je monte par où? Je monte par là. Ok, récupère. Allez, costaud, Snowrider. Apporte tout ça à la planque. 5 étoiles! Oh, punaise! Oh, les enfoirés. Allez. Faut que je change de bagnole, hein. J'en suis conscient, les amis, mais... Mais j'insiste un peu, j'avoue. Attends, change vite. La Jeep. Par contre, c'est décapotable, c'est peut-être pas le mieux en sachant qu'il y a un hélicoptère en haut, connard. Essaye quand même. Poussez-vous! C'est la merde! En plus, je pense pas que ce soit la voiture la plus costaude. Je me fais défoncer. On est sous pression. Alors, on a déjà eu un 5 étoiles en recherche. Hein. C'est pas nouveau. La planque est juste là. J'arrive, tata! Ouhouhou! Ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? On n'a pas géré? $1000. C'est tout? Eh, hey, tata, c'est une tata radine, hein? Allez, on passe à la suite. Bombe lancée. Oh, sorry, I must have the wrong address. Well, you might as well come in and rest your souls and have some tea. Do you have something there for me, Tommy? Yeah. This place feels familiar to me. It's a smell from childhood, a deja vu. Now, Tommy, I'm going to whisper a little errand for you. Hear me well, aye? You look like someone I... Them have fast boats they use to cross the seas with drugs. It is their livelihood. Me nephew been making little flying bombs to take them out. Blow the boats to coffin wood. Thanks for the tea. Ce tombeau sera leur tombeau. Va la camionnette contenant les bombes volantes. Eh bien, allez. Putain, mais c'est dangereux aussi dans ce quartier. Allons-y. Passe par là. Alors, en théorie, je dis bien en théorie, comme je vous le disais, normalement, on devrait avoir 5 vidéos sur le jeu, 5 ou 6. Après, j'y vais en mode freestyle. Ça veut dire que je me dis, voilà, même si on fait pas que des missions principales, c'est pas grave, donc il y aura peut-être un peu plus de vidéos. On verra. Top fun. Ok, une petite camionnette. En tout cas, c'est un vrai plaisir de jouer à ce jeu, donc bon, on s'en prive pas, quoi. On se presse pas. Tue les gangsters cubains. Yes. Et détruit leur bateau. J'aime bien. Oula. Oh non! C'est avec les avions! Oh non, pas ça! Non, mais c'est pas possible! Envole-toi! Alors, larguer une bombe. D'accord, je voulais essayer. Ça marche bien! J'ai pas forcément que des bons souvenirs de ces bestioles, là. Là, j'ai l'impression qu'ils sont bien bossés. J'ai l'impression que ça marche bien. Ok. Attends. Ils m'ont fait tomber. Ils m'ont fait tomber. D'accord. Mais c'est pas fait. Ouais, j'ai combien d'avions? Ah, j'ai que deux avions. Ok.
Parce qu'en fait, ils m'ont explosé, les gars. Ok. C'est pas évident, je pense qu'il faut être juste au-dessus, à mon avis. Ah merde, ouais, mais... Ok. T'es pas encore foutu, mon avion ? Si. Ok, bon, il m'en reste un encore. On va y arriver, les amis. Je pense que j'aurai besoin de toutes les ressources possibles. De tous les avions possibles et imaginables de cette Terre. Là, j'étais resté vraiment trop rapproché. J'espère qu'il n'y a que 3 bateaux, hein, parce que là, ça va être un enfer, sinon. Enfin, faut rester un peu plus haut. Voilà, faut juste bien viser, tu vois. Faut lâcher au bon moment, en gros. Ok. Je crois que je l'ai eu, hein. Je crois que je l'ai eu. Eh ben, écoutez, on va passer au petit dernier. Qui est là-bas. Oh, cette mission, encore. De toute façon, les missions avec les avions, tu peux te dire que c'est de la merde. Hein. Oh, le pire, c'est sur San Andreas quand même, à l'émission de zéro. Oh là là, quel enfer. Et encore, on s'en est plutôt bien sorti, je trouve. Hein. J'ai pas recommencé autant de fois que certains. Mais tout de même. Disons qu'il fallait rester cool, fallait pas paniquer, quoi. C'est surtout ça. Ok, ça tourne. Ok. Maintenant. Très bien, je l'ai pas eu. Tu vas me dire que je l'ai loupé. Non, c'est bon. Yes, $2000. Bon, ça va, mais j'ai eu besoin effectivement de tous les avions, hein. Ils m'ont laissé la voiture ? Yes. Plutôt prendre celle-là, hein. Bah écoutez, je pense qu'on va continuer honnêtement avec ces missions-là qui sont plutôt rapides, en plus plutôt cool. Allez, ça dégage. Donc on retourne voir le petit bonhomme rouge. Je pensais pas, par contre, honnêtement, je pensais pas que c'était des missions. Une suite de missions en fait. Donc je pense que ça fait vraiment partie des principales, ça, hein. Tata poulet. Mais c'est. Non, c'est plutôt sympa en vrai. C'est plutôt cool, là. Allez, je m'arrête là, ça ira très bien. Raclé. Hello? I'm looking for somebody around here. You're looking hungry, Tommy. Do I know you? Hush now! One more thing and I can let you go, Tommy. My boys gone war with them boys, but no guns. While they fight in the streets, you will take this rifle. No one sees you, no one hears you. Now, Tommy, you do this for me, and you no longer tie to my apron strings. Okay, Auntie. J'adore ça. On doit gagner cette bataille. Si l'une des gars meurt, c'est foutu. Ok, donc ils sont là-bas. Tu vas tuer les gangsters de loin, mais te fais pas voir. Bon, je pense qu'en restant ici, ça doit aller, non ? Ah bah non. Tu as été repéré, c'est foutu. Mais ils ont une vue... incroyable. Moi, je suis myope, hein, c'est un peu différent. Ok, donc on passe ça. Et je pense qu'à mon avis, il faut aller un peu plus loin. Faut éventuellement se placer en hauteur, je sais pas, un truc comme ça. Tiens, si je vais là, par exemple. Ouais, il y a de quoi monter. À mon avis, c'est ça. À mon avis, on peut pas rester au même niveau. Ok, il y a carrément le logo. Bah, c'est sûr que c'est ça. Attends, je prends le snipeuse. Le médoc. Ah ouais, pour ralentir. Trop bien. C'est parti. C'est sûr que comme ça, ça va être efficace. Hein. À moins stouper. Par contre, t'as bougé, mec. Relou. Alors, fais attention, notre gang risque de tricher. Ok. Voilà, j'essaie de bien viser tout de même. Ouh, le coup de genou. Ils ont amené des renforts liquides et tout ça. Bah, j'ai même pas déjà liquidé tout le monde là. C'est gentil. Mort. Je crois que c'est l'ambulance, hein, que j'ai entendu juste avant là. Je l'ai loupé ? Ouais, je l'avais loupé celui-là. Allez, finissez-le les mecs, vous êtes en nombre là. Ensuite... Ok, ils sont là. Bim, elle était belle celle-là. Allez, yes, il en reste plus que deux. Là, on domine normalement, hein. En théorie, on domine. Finissez-moi ça. Allez, dans les couilles. Couille shot. Oula! Ok. Silence, les gars. T'as merci de ralentir, quoi, mais il dure longtemps. Bah, il dure toute la séquence, quoi. Ah, mais les bleus sont plus nombreux, là, c'est bon. Eh, les gars, vous pouvez gérer.
Par contre, le tirallier Galax, fais gaffe un peu. Ok, c'est bon, mission réussie, 5 000 $. Eh bien voilà, c'était propre, franchement. Et le ralenti, ça fait tout, hein. C'est génial. Bon, sinon ça va, je suis pas recherché. Ah ben non, c'est vrai que c'est la fin de la mission, du coup, on n'est jamais recherché après. J'ai perdu 5 du bouclier, bon, ça va, c'est pas grand-chose. Par contre, c'est fini l'émission de Tata Poulet ? Bah ouais, je crois bien, c'était ici, hein. Apparemment, c'est terminé. Téléphone. Tommy, why you coming back here, fi? Me tell you, we don't want to see around here no more. Ok, bah écoutez, apparemment c'est vraiment terminé, hein, je suis content. Donc on a fait la batterie de mission. Il y avait seulement 3 missions, je crois, non? Si je sais compter. Il n'y avait pas grand-chose. Eh bien écoutez, je vais pas commencer les Love Feast, hein, aujourd'hui, hein. J'aimerais bien terminer d'abord, par exemple, les Cubains. Ce serait pas trop mal. En plus, c'est juste à côté, donc on va y aller. Il y a le téléphone aussi. Mais par contre, je me dis que voilà, le V, là, c'est marrant qu'on n'ait pas vu une mission. Bon, enfin. C'est pas grave. Putain, c'est la guerre ici, hein. La vache, Gang Wars. Guerre de gang. Allez. On va directement voir les Cubains de retour. Il y a beaucoup de missions avec Odel Paso, hein. Salut, madame. Allez, on continue avec les missions des Cubains. Bataille navale. Alberto, on a café, señor. Don't serve the snake in the trunk. You're two-faced, Tommy. You're either two-faced or you're a wimp, baby boy. They're laughing at me. Easy. What's your problem? They're laughing at me, Tommy, at me, Umberto Rubino. They're doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's going to cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy, you are a real man. Businessman, a gentleman. They have a load of product coming in offshore. Really good stuff. We take it, and we finish them. You take it, and I look after you. Like my brother. Like my son. I think I prefer the cash to being bounced on your knee, amigo. J'adore les réponses. Va retrouver Rico, il te conduira au rendez-vous. Eh bien. Allez, je reprends la voiture. Et c'est reparti. Oh, le bruit. Et alors, attends, suspension hydraulique, on peut s'en servir? Arrêté hydraulique, suspension. Ah, mais ouais, mais en fait, c'était déjà dans Vice City. D'accord. Et je pensais que c'était arrivé dans San Andreas, ça. Je te jure. Incroyable. C'était donc déjà présent. Ah, c'est marrant, hein. Mais ça aurait été vraiment tellement plus logique de commencer par GTA 3, après Vice City et après San Andreas. J'avoue que si, en fait, il n'y avait pas un jeu qui vous attirait plus que l'autre, j'aurais commencé par GTA 3, tu vois, j'aurais fait les choses dans l'ordre. Mais il se trouve que je sais très bien que sur YouTube et chez les joueurs, hein, en vidéo, ce qui intéressait le plus, c'était San Andreas. Voilà, donc j'étais obligé de commencer par celui-là, quelque part. Enfin, sauf si je voulais saboter ma chaîne. Hey, Rico, nice boat. Ready? See, Tommy? Now you be a good shot today. My boat, she no good. Full of holes, okay? Petite musique, bonne ambiance. Ta-ta-da-dum, ta-da-da-dum. Ok, ils sont vaches nombreux, oh. T'es sûr de ton coup, là? Moi, je dis, faut rester éloigné, hein. Ah, d'accord. Tu es tous les types sur le bateau. Ok. Bon. Pas le pistolet par contre, c'est pas le top, hein. Fusil. Voilà, c'est quand même plus speed. Let's go. Ok. Bien voilà. C'était parfait. Et la musique qui repart. La la la. Ok. Oula, bouge. Ah mais c'est vrai que quand t'es accroupi, ça bouge pas, hein. J'avais oublié ce détail là. Attends, je peux me planquer derrière le mur, hein. Si je suis pas un totalement fou. N'oublions pas qu'on a aussi le snipers. Ce qui m'inquiète par contre, c'est que je suis... Ah, ça dégage. Ah, il se touche l'épaule, il est pas mort? Si, il est tombé. Y'a un mec là-haut. Ce qui m'inquiète, pour être honnête avec vous... Ok, il y a une première mallette là. C'est que j'ai déjà 2 étoiles de flic. Pourrait repartir avec un bateau au pire. Ce serait pas complètement débile. Attends, je l'ai vu au fond. Calme-toi, cowboy. Là-bas aussi, y'en a un. Ok. Je pense qu'on a pas mal fait le ménage en vrai. Hein. Je vais récupérer les mallettes. Le pognon d'abord. Et les mallettes ensuite. Ok.
y a du monde là. Oh merde! C'est quoi ce bordel? Ils l'ont fait péter? Ok. Wow! La violence! Oh, cette violence, nous gars! Le coup de pompe que je me suis pris. Attends, par où je pars? Ramasser ces timbres, ramasser trop de timbres, d'accord. Je me fais défoncer, hein, je me fais défoncer. Prends un véhicule, vite. Hélicoptère! Dépêche-toi, j'ai 4 étoiles. J'espère que le portail est ouvert. Hein. Y'a pas de portail. C'est encore mieux! Allez, salut! Un petit Land Rover. Bon. Oh, 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 oh! Allez, retourne-toi, retourne-toi! Ok, je sors. Ok, je sors, cherche pas à comprendre. Vite! Oh là là, c'est dangereux là. Je suis à pied. Arrêtez-vous, monsieur! Arrêtez-vous tout de suite! La Porsche! Let's go! Madame, j'ai besoin de vous. Oh! Bon, je pense que la dame, elle est pas forcément en bonne santé là. Elle s'est fait def. 4 étoiles, j'ai connu pire. Allez, on se tire, on a pris une voiture rapide, on va cutter. Non, c'est un mur, il me semble ça. Et pas de suite. Fais pas le foufou, hein. Ok, tout est sous contrôle, les amis, rassurez-vous. Je gère la fougère. Je gère les poulets. Oh, les herses! J'ai failli me faire avoir. Yahoo! Ok, c'est bon. Et voilà. Vous l'avez dans l'os. Mission réussie, 4 000 $. Nickel. Eh bien, écoutez, on va pouvoir enchaîner. Par contre, ouais, j'ai perdu un peu de vie. J'espère qu'on pourra en récupérer. Pareil pour le bouclier. Hey! Hey, ladies! You know what I'm gonna do? I'm going to make love like a man. You know that, Chica? Something like this. Gross. Loser. Prick. Hey, baby! I oh wouldn't touch you with a 10-foot pole. Humberto Robina, he likes the ladies, so not funny. Some goat in a skirt. Tommy, I love you. I love you. Let's go. Go where? Can I get a cup of coffee first? No time for coffee. Besides, I just had one. Tommy, how do you take out a snake? You bite him in the ass. You go and get us a little car. When you get it, come back and pick up my boy, Pepe. And take them out to such and such. Their processing plant. Whatever you say, Humberto. Hey, Tommy, use their solvent as an explosive. Boom! Bye-bye! Humberto, what about you? I'm going to stay behind and watch over that cafe with Papa. He's not feeling so good, you know? Fil au nord, à Little Haiti avec Pepe et Fauche une voodoo. Ok, alors il me semble savoir ce qu'est la voodoo. C'est le véhicule qu'on avait tout à l'heure, genre le Rider. Il me semble, hein, si je dis pas trop de bêtises. Eh bien allez. Faut suivre apparemment le nord. Ah mais j'ai que cette icône en plus. Ah non, j'ai aussi la... Ok, mais c'est un peu étrange. Donc ouais, c'est une mission de recharge de véhicule. Hein. Ok. Eh bien allons-y. Je me retourne, ça commence. Est-ce que je suis dans le quartier de Little Haiti déjà là? Je suis pas sûr, hein. Me semble pas. Cool, Tami. C'est un quartier cool. Ça fait une belle jambe. C'est un quartier cool avec un trafic complètement con. Donc, où est-ce que je peux trouver cette foutue voiture? Ok, Little Haiti. Donc là, on est dans le bon quartier déjà. Ça n'est pas une, ça? Attendez. Il me semble bien. Ah bah, il y en a une autre là-bas. Ah mais ok, ça se trouve, on fait pas plein. Eh oui, c'en est bien une. T'as retrouvé Rico et les autres. Ok, t'as vu, il y en avait une là-bas aussi. Bon, tranquille quoi. Pas les policiers, attention. J'ai de mauvais souvenirs. Ah, c'est vrai que la mission dans le centre commercial, là, où fallait se déguiser en policier, laisse tomber, comment c'était chiant. C'était trop dur. Après, c'est la folie, te largue les airs, c'est tout. Oh là là. Bon, monsieur. Faut se pousser un peu, quoi. Oye, the solvent is around the back, amigo. Bueno, putas. Muerte. Vamos. Vamos indeed. Salud, my compadres. On suit les compadres. Tous ensemble, tous ensemble. Va rejoindre les autres devant l'usine de dope. Ok.
tous en ligne. Ne sors pas de la bagnole avant qu'elle ne soit garée en sécurité dans l'enceinte. D'accord. Ok. Il faut bien lire, hein, parce que c'est vrai qu'on joue, tu vois, il n'y a pas la VF, hein, et donc on peut pas avoir l'information aussi rapidement que dans un mafia, par exemple. Donc il faut vraiment être concentré, bien tout lire, sinon on loupe les instructions et après on fait n'importe quoi. Ça m'arrive. Mais bouge, toi, hein. T'es bête ou quoi? Ok, on y est. Chataré, moi. T'es mort. Ah, il est bugué, lui? Je pouvais pas l'écraser? Un peu étrange, mon truc, hein. Ok, un peu étrange. Mais enfin. Pourquoi il y a du rose, là? D'accord, bon, je pense qu'il faut les déglinguer, hein. Y'a pas 36 solutions, les gars. Voilà. Je crois bien que lui, là, qui veut ouvrir la portière, il est totalement bug, hein, par contre. C'est chelou. Ok. J'ai plus de bouclier, hein, ça c'est chiant. C'est quoi avant de poser les bombes? Ouais, faut poser donc 2, 3 bombes, je sais pas combien. On va se les faire, ok? On va se les faire d'abord. Sera peinard comme ça, on posera les bombes après. Moi, t'as beau lever les bras, moi je m'en bats les steaks. Ok, ça c'est bien. Il en reste un, qu'est-ce qu'il fait, il pisse? Et qu'est-ce que tu fais, bro? Énorme, je récupère quelques munitions. Eh bien écoutez, on y va, on pose les bombes. Voilà, tranquille. Je fais ça en mode posé. Oh, voilà, on va faire exploser un endroit, tranquille. Reste une minute, ça. Ah oui, c'est vrai que la détonation, du coup... Reste bien sur le logo, dépêche-toi. Ok, bon, j'ai préféré faire le ménage avant, je trouve que c'est plus logique. Comme ça on est tranquille pour poser les bombes. Parce que faut pas compter sur l'IA en fait, hein. Vraiment ça c'est une pure connerie. Comment je fais? Non mais tu montes pas toi, tu dégages. Moi je suis solo mec. Ah merde, ça passe pas. Comment on fait alors? Attends. Les mecs, comment on sort? Ah, démarche là, attends. Ah, de la vie en plus. Bouge pas. Ah merde. Non, j'en ai même pas eu besoin. Ah mais je me suis pas fait toucher. Ok, voilà. Ah ouais. Un peu de surenchère. Ça fait plaisir. Ah, il y aura quelques travaux, hein. Bon baiser de la Havane, ok. Mission réussie, 10 000 dollars. C'est bien payé, hein. Alors, est-ce que tu penses que c'était la mission finale des Cubains? C'est possible, hein. C'est possible, parce que vu la paye, à mon avis, c'est de la grosse mission, ça. Et puis, on en a fait pas mal, déjà, hein. Des missions des Cubains. Tommy, Umberto Rubina. Hey, how's the cafe? Oh, wonderful. Incredible, Tommy. Incredible. No whims, Tommy. Just real men. And the beautiful women. Anyway, I wanted to tell you, me and Papi, to us, you're Cuban. You have proved yourself, man. You got big cojones. Well, thank you, Umberto. Nobody said that to me since I left jail. See you around. You in the way! Eh bien voilà, effectivement, ça confirme que l'émission cubain s'est terminée, les amis. Je suis bien content. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est commencer. Ou alors on le fera peut-être plutôt la prochaine fois, je ne sais pas. Est-ce qu'on le fait maintenant? Franchement. Ah mais là, je vois pas de mission. Moi, je l'ai pas trouvé l'autre fois, la mission. Mais ce qu'on peut faire... C'est, les amis, là, se faire le début des missions des rockers, quoi. Tout simplement. Donc, allez, on va revenir un peu en arrière. Bim, je mets le petit icône là-bas. On m'a également dit, Galax, il faut que tu achètes des business pour justement avoir d'autres missions, apparemment. Est-ce que vous me confirmez cette théorie? Si c'est le cas, bah écoutez, de toute façon, on achètera des bâtiments, hein, comme le Malibu, par exemple. Début des missions Love Fist. Oula. Love Juice. Yes! Brilliant, bloody brilliant! Hey, Tommy! Glad you could make it. Hey, you ever met Love Fist before? No, I haven't, but I've always loved your music. Let me introduce you to the band. This is Percy, Dick, and Willie's in the Kazi, and that was Jez in the booth earlier. And guys, I want you to meet a good friend of mine. This is Tommy. We go way back. Hey, pal. And what was your name again? Leave it out, Jez, you remember. Love Don't be Dick. Playing them games with me, Jesus. Mate. I'm too crafty for that, sunshine. English.
my good one in America. The thing is, Tom, the boys need some help. They ain't too connected here. They don't have the old hands, your father. We need some drugs, pal! Gotta get on the old Lovefest Fury, you know? Yeah! Well, this is Vice City, man. What's the problem? Love juice, man. We need love juice, man, can? Love juice? Aye, 2 parts boomshine, 1 part trumpet, 5 fizz bombs, and a liter of petrol. Can you help us out, pal? Oh, we really mean a lot you to the boys. You could do that for the boys, right? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je serais pas prêt à faire, tiens. Va voir le dealer pour récupérer les ingrédients. Mouais. Eh bien, allez, je prends la voiture. Enfin, j'ai essayé de prendre la voiture. Voilà. Oh, mais je la déteste, celle-là. Oh, mon Dieu. La Stallion, elle est horrible. Sans déconner, c'est l'une des pires du jeu. Regardez comment elle est incontrôlable. Elle drift sur 1 mètre. Regarde. Tu fais droite-gauche, ça part en couille à chaque fois. Quelle horreur. Avec un bruit comme ça de glissade, enfin c'est, je sais pas, de crissement de pneus. Oh. Alors, vous gênez un véhicule? Une autre voiture alors. Non, mais vraiment une autre là. Hein. Pas celle-là s'il vous plaît. Celle-là c'est mieux. Voilà, en plus c'est décapotable, il fait beau, il fait chaud. Même si c'est 18h, ça ira très bien. Allez. Une Stinger, je veux une vraie voiture moi. Klaxon. Looking for something special? I got what you need. Thanks for the money, sucker. Comment ça, Susboule? Tue le leader et prends la drogue. J'aurais dû prendre une PCG. Allez, quoique non, pour le renverser, c'est mieux comme ça. Je vais renverser une moto avec une moto. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con. Allez. Mec, ça dégage. J'ai même pas eu à tirer. Incroyable. Hey, Mike. The guys could do with some company, if you know what I mean. I know just the girl. Alors passe prendre Mercedes à son appartement. Ok, tout de suite. Mercedes. Oh, t'as vu ce Drake. Elle est bien mieux cette voiture. Salut. Hey, Mercedes. Hiya, Tommy. And how are you? Just fine. Listen, you fancy having love fist? Okay. But just as a favor, I expect returned. Allez. Ah, y'a un chrono. Ok, fallait le dire tout de suite. Par contre, c'est pas là qu'il fallait que je... Oh non, je me suis bloqué. Oh, quel con. Fallait repartir exactement par là où t'es venu. Réfléchis un peu. Ok. Bougez-vous. J'ai 2 étoiles? Comment ça, d'un coup comme ça? Non. Bon, c'est pas grave, ça met un peu de piment à la mission. Parce que juste faire le taxi, hein, ça va quoi. Tiens, on cut par là. Ouais. Ah, je me suis fait défoncer. Déjà 2 étoiles, c'est pas mal, hein. Heureusement que j'ai une voiture nerveuse, hein. Je te le dis, hein. Tu m'as fait changer, hein. Parce qu'avec l'eau, je me serais déjà retourné 30 fois. Et les véhicules de la police qui se foutent dans les arbres. Alors qu'il n'y a rien qui les a touchés, tu sais. Oh, les banques. Ouais, je suis juste à l'homme, regarde. Ah merde! Quel con. Je voulais faire le malin. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Bon, ça va, de toute façon, on a large temps hein, pour y aller. Ils ont prévu large. Et... Ouais! Presque. I see you later, big boy. Elle m'appelle champion. Oh. Allez, occupe-toi de ma jolie. Ils seront contents et moi, ça m'apporte du pognon. 2000$, mission réussie. Nice! Eh bien, on va enchaîner. Les missions sont méga courtes, hein. Très souvent. Psychopathe. Tommy, man, am I glad to see you. What's going on? Bad vibes, Tommy. Aye, I'm not joking again. It's heavy stuff, man. Heavy, gang. This cat, we hardly know him, but he knows us. Like this cat. Knows all about us. Knows that Willie likes his lady's underwear, eh? Or that Percy likes Duran Duran. Shut up, you fool. Just because Jez bomb sheep. It's a love rocket thing, can? Wait, shut up. Yeah, a love rocket thing, right? But listen, this cat. The guy wants Love Fist dead. Dead, Tommy. Love Fist gone. You know what they say, the good die young, but Tommy, you've got to save Love Fist. We've got a signing in 2 hours, and I think... Yeah, and the boys think the stalker's gonna try some monkey business there. Alors, conduit la limousine à la séance autographe et essaie de démasquer le psychopathe. Très bien. Il va y avoir des groupies. Ben, c'est une séance d'autographe, forcément. Un psychopathe. Ça va être original, là. Hop là.
Love Fist, Love Fist. Ok, elles tombent toutes du boulin. Sauf lui. Forcément, c'en est pas une. Les Love Fist ont gâché ma vie. Ah, y'en a des tarés quand même. Ok, Ibi le psychopathe ne laisse pas s'échapper. Compte sur moi. C'est mon boulot. Ok. Bam! Il faut dire qu'il est un peu con aussi, hein. Bon, alors on va essayer de faire comme tout à l'heure, on va essayer de le coincer contre un mur, ce sera bien, histoire qu'il puisse plus avancer. Bon, il est pas très stable lui, hein. Bah, c'est un psychopathe en même temps, je suis bête. Allez, 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 dis-moi que tu vas à gauche. Ouais! Mais comme je t'ai défoncé, mec, encore. Qu'est-ce qu'il fait? Apparemment, il veut repartir de l'autre côté. Putain, il me fout le seum, lui. Attends. C'est vrai que je peux tirer en voiture, hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas à droite, tu vas... Mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, bouge. Attends, coincé comme ça. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Merde, 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 on prend la voiture, vite. Faut pas que je le perde de vue. Let's go. Bon, j'ai essayé d'allumer. Et c'est bizarre, t'as l'impression qu'il voulait... Oh tiens! Ça a pété. T'as l'impression qu'il voulait aller dans une direction particulière. J'espère qu'il va exploser avec la voiture, oui. 4 000 $, mission réussie, magnifique. Eh bien voilà, ça c'est du propre les amis. 144 000 $, en plus on a de quoi acheter des affaires, hein. Eh bien écoutez, on verra ça dans la prochaine vidéo je pense. Ouais ouais. Ça c'est des blocs d'émission, je ne sais pas si c'est vrai, hein. Je sais pas si réellement ça débloque l'émission principale. Mais on verra ça. How you doing, mate? It's Paolo again. Look, Tommy, I forgot to mention, we're gonna need some extra muscle for the concert. A bit of security. There's a biker gang led by Mitch Baker. It would be great publicity. Very rock and roll, baby. Sort this out for me, and I'll get you some backstage passes for the gig, alright? You want the air from the home? Ah oui, c'est le petit logo Pic là. Attends, fais voir. Ça semble bien que c'est ça, hein. Contact Baker, yes. Reviens quand tu auras terminé. Ah ouais, faut faire ça d'abord. On rejoint ce petit logo de Pic. C'est juste là. Alliage d'acier. Évidemment, là, vu la bande son, la thématique va être cutée niveau son. Tu peux en être sûr. Mais vous allez arrêter de me traiter de gonzesse, tout cela ? Enfourche une freeway ou une angel et va sur la grille de départ. Ok. J'ai le choix. Bon, allez, je prends ça, hein. Ça ira très bien. C'est la classe, une petite angel. 3, 2, 1. C'est parti ! Tout Dieu, mais comme il démarre. Incroyable. Les mecs, vous savez pas qui je suis, hein. Par contre, bim, pas de radio. J'avoue, ça aurait été cool avec un petit peu de rock, mais enfin bon. C'est pas possible. Allez, attends, je cut. Gauche. What? 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 Eh, j'ai mieux géré que toi, mon gars. J'ai mieux rattrapé le coup. Bon, c'est sympa, ça. Temps de course. Alors moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est combien de temps dure la course. Pas combien de temps je vais mettre pour la terminer. What? On s'en sort bien, les gars. On les a déjà largués, j'ai l'impression. Oh, par contre, si on fait ça, pas trop. Et je suis passé dans un trou de souris. Pour l'instant, on est premier. Hein. Ah ouais, t'as le petit premier qui est marqué juste en dessous de la moto. Sur la roue, quoi. Sur la roue arrière. J'ai pris large, là. Et ça glisse aussi, il faut dire. Hein. Wouhou. Ouais, ça, franchement, c'est une mission offerte. Quoi. Ah, y'en a un qui est encore là. Mort de rire, quoi. Les mecs, vous êtes un tout petit peu en retard, mais vraiment un tout petit poil. Allez, on passe entre les voitures. Beau gosse. Prends un risque, mais ça va.
pas à considérer. Putain, elle drifte bien. Alors, c'est linéaire, c'est assez long, hein, le drift, mais franchement, c'est bien maniable, je trouve. Alors, c'est pas aussi rapide hein, qu'une PCG, hein, ça c'est clair qu'au niveau vitesse. Hein. Disons que c'est une voiture pour le transport, quoi. Une voiture, une moto pour se balader. Une 35, et voilà, mission réussie, $1000. Yes. Alors, en fait, pour confirmer, je pense, pour confirmer une mission de Love Fist, il faut d'abord faire les missions de pique. Si j'ai bien compris le délire. Vous me corrigez si je me trompe. Je pense qu'on est obligé de toutes les faire, à mon avis. Colère. Ah ah. Got you again. Hey, Rossetti. Cougar says you can handle a bike pretty good. Yeah, how many more errands am I gonna have to run? I'm a very busy man. If it's a fight that's gonna settle this, then bring it on. Being one of us ain't just about brawling. It's about being part of a family. Yeah, I've been part of a family before, all right? It didn't work out. Yeah, right, but this family takes care of its own. We don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time. Yeah, that's right, I've done my homework. This here's the biggest family of misfits, outcasts, and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during Nam Ugly Business. Which is why I'm gonna ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. Oui, je suis en colère. Alors on doit remplir le chaomètre dans le temps imparti pour nous prouver que t'es ok. En gros, faut foutre le gros bordel de la mort, quoi. Je pense que c'est ça. Très bien. Et bah allez. Une étoile. Donc en théorie, il faut avoir les 5 étoiles. Je pense. Ça va être l'enfer sur Terre. 2 étoiles. C'est bien, ça commence bien, les flics sont toujours par là, quoi. LOL. Bon, le chaomètre, je suppose qu'il monte surtout quand les flics arrivent, non? En théorie. Bon, il a monté un petit peu. 3 étoiles, ok. Ça, c'est une mission de taré, ça, quand même. Eh, hey, toi. T'es mort. Bon, t'as encore envie, t'as un peu de chance. Ok. Hélicoptère qui arrive. T'as pas une arme pour les faire exploser, non? Attends. Faire exploser l'hélicoptère, je pense que ce sera pas mal. Ça devrait apporter beaucoup, ça. En théorie. Allez, fais-le exploser avec la M4, vas-y! Ma vie, merde! Oh punaise. Il tire dessus! Tu exploseras en premier. Attends. J'y crois. J'ai déjà bien touché avant. Yes! Allez, ça dégage. Tu vas me dire que c'est pas encore assez haut là le chaomètre? Sans déconner. Je suis quand même sur une grosse dynamique quoi. J'arrache des têtes, je fais tout péter. Tiens, faut péter l'ambulance. Ça, je pense que ça va rapporter aussi. Ok. Oh merde. Ouais, mais mourir par contre, c'est pas ouf. Oh, bien joué! Bien joué, bien joué. Par contre, je remarque que j'ai pas perdu les étoiles. Normalement, en fin de mission, on perd les étoiles, les gars. C'est pas normal. Attends, je vais essayer de commencer la mission, vite. Oh, ce coup de poker énorme. Bécane. Hey there, Mitch. Well, if it ain't badass Rossetti. Now I want to see how good you can fight for your patch. A local street gang made the mistake of stealing my hog. Probably because of some machismo thing or something. Me and the boys would go over there and teach him a lesson in respect and all. Anyways, then I got to thinking. This would make a good initiation for you. You get my bike back, you can tell Paul he's got his security. Come on! Come on, come on. Je sais pas si on va pouvoir terminer l'émission des bikers aujourd'hui, mais on a fait beaucoup de choses, non? Ou c'est moi? Un gang local a volé l'Angel de Mitch Baker, récupère-la. D'accord. Se planque derrière Amunation dans le centre. Dans le centre. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir une bécane rapide pour accéder au toit. D'accord. Avec la bécane, saute depuis les escaliers jusqu'au toit de l'autre côté de la route. Ok, carrément. Carrément, carrément. Donc plutôt une PG. Ah mais j'ai encore les 4 étoiles? C'est une blague. Attends. Je peux pas la prendre? Ah!
C'est quoi ce truc bleu? Je pensais que c'était c'était du vert. What the? Par contre, j'ai 5 étoiles. Les mecs, on est... Oh, les mecs, on est très mal. Mais genre, vraiment très mal. Il va falloir être bon, hein. Il va falloir être bon pour esquiver tous les problèmes. Ah oui, non mais ça, voilà. Ça, tu peux pas l'esquiver, tu vois. Genre, elle est où ma moto? Ma moto, elle est où ma moto? En plus, je l'avais prise, elle est super et tout, rapide, tout ce que tu veux. Ouais, je vais me faire déglinguer, là, c'est sûr. Attends, essaye pas de leur tirer dessus, prends ta moto. Ah bah, je suis mort déjà. Ah d'accord, ouais, c'était rapide. On va voir. Ouais, ça me redit ce que je dois faire. Ah bah si, j'ai plus les 4 étoiles. Et là, c'est pas pété, par contre. What? C'était un bug avant? Oh non! Attends, avec le katana, peut-être. Ah, ça passe, d'accord. Ah, c'est trop chelou. C'est bugué, par contre, j'avoue. Ok, je suis content. On a plus les 4 étoiles, maintenant, on peut le refaire propre. Ce coup-ci. Et prendre le saut. On a la PG. Elle était en face exprès, hein, pour qu'on la prenne, bien sûr. Tu connais les bails. Alors... Où est-ce que tu escalier? Ouais, je le vois, c'est bon. Let's go. Attention. Énorme. Ouah. Ok, on peut régler donc la réception. Ok. Putain, c'était méga propre de ouf. Cascade unique, alors attends. Elle est là-bas, elle est en bas. Hein. Ok. Belle distance de saut quand même. Hein. Il y a de la vie si besoin, mais là pour le coup, j'en ai effectivement... pas du tout besoin. Le sniper. Salut go. Ok, je vais prendre mon Uzi. Ça ira très bien. Allez, je me dépêche. Piquer la moto. Wow. Salut toi. Je vais voir s'il y a du monde à côté. Ah, il y a du monde par là. D'accord, ils sont nombreux. Faut se tirer. Merde! Saloperie! Bon, l'avantage c'est qu'il attaque au point. Ah bah non, pas tout le monde. Aïe! Salaud! Plus que 57 de vie, dépêche-toi. Vite! La bécane au bar. Alors, par où je sors? Là-bas, en théorie. Merde. Il y a un grillage, ça passe? Ça passe pas, faut reprendre les escaliers! Ok, attends, je passais peut-être par ceux qui sont derrière là-bas. On va essayer de faire ça. Ouah! Yes! J'ai repris. Oh merde. J'ai repris la rue. Oh punaise. Sans vénère. Je passais par la ruelle. Ça doit passer, non? Ah merde, j'ai loupé la ruelle. Tant pis, je fais le tour. C'est pas grave. C'est pas grave, on les passe après. On reste sur la route standard. Bah oui, bah oui, bah oui. J'ai perdu encore un tout petit peu de vie. Quand le petit cœur il clignote, c'est que t'as eu mal. T'as eu un petit bobo. Je passe par le côté, je suis pas recherché donc en théorie on est tranquille. Hein. Il est beau comme ça sur la moto. Attends, petite miniature les gars. Petite miniature. Bah ouais, petite mini à normal. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me fonces dessus toi, t'es con ou quoi? Je confirme, il est con. Hein. Hey, comme ça, ça fait une belle miniature en vrai. Putain. C'est ça de vouloir faire des miniatures. Je la referai de mon côté. C'est quoi? Oh là là, mais laisse-moi tranquille un peu. Laisse-moi tranquille, bordel! Allez, je la ramène. C'est ça de vouloir faire tout le boulot en vidéo. Bon, je pense que c'est bon en tout cas. C'est long. C'est long. Allez, où c'est? Et voilà, Tommy Dero, 4 000 $. Ça veut dire que c'est fini, non? Terminer la mission bécane. Non, parce qu'en général, quand on a ça, ça veut dire que c'est qu'on a terminé une batterie de mission, quoi. C'est possible. On va voir. Normalement, on devrait avoir un coup de fil pour confirmer ça. Hey, it's Mitch. You did good, Tommy. It's good to have the old girl back. You tell Kent Paul, he'll get his security for the gig. You have my word on that. Now keep yourself out of trouble. Ok, impeccable. Bah maintenant, on pourra retourner faire l'émission de... de Love Peace des Rockers. On va s'arrêter là les amis pour aujourd'hui. On a bien avancé de fou. On a fait tellement de choses. L'émission de Tata Poulet, là on a fait les bikers, on a terminé les Cubains. Bref, une mission téléphone. On s'est fait plaisir aujourd'hui. Quoique on a fait une mission téléphone? Si, ouais, il me semble au début. Eh mais attendez, ça il me semble que c'est la caméra cinématique.
Elle était pas avant. Et ouais, la caméra cinématique comme dans GTA 4. Incroyable. Alors je sais pas si elle était dans le jeu d'origine, mais en tout cas dans ce remaster, il me semble qu'elle était pas présente dès le début. Trop bien. Oh, comme ça la caméra aussi. Pour les motos, c'est méga stylé, hein. Ah, y a pas à dire. Ok, bien écoutez les amis, on s'arrête pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, on a fait beaucoup de choses, on a bien avancé. Et voilà, je pense que ce sera un petit peu ça la miniature de la vidéo, hein. Ouais, les bikers. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, on se retrouve dès demain pour la suite de l'aventure. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Pensez également à vous abonner pour ne pas manquer la suite. À très bientôt, ciao.